Juan. Les Anglais vont bientôt débarquer. Allons, tu les connais. Il leur faudra des mois pour repérer les Escondida. Avec un navigateur comme Tarao, tu peux être sûr qu'ils vont très vite nous trouver. Alors, qu'est-ce que tu conseilles? Il faut abandonner les Escondida. Gouja, cette île est à moi. Et puis le moine meurt, mais ne s'enfuit pas. Eh bien, meurt alors. Impossible, j'ai déjà fait une fois. Il y aurait bien une solution. Meurs à moitié et fuis à moitié. Ah, Corto, c'est ce que j'apprécie le plus en toi. Tu vois toujours le côté amusant des choses. Je suis content de te voir entier, Corto. Ah, c'est vous. Bonsoir. Bonsoir, Spéter. La flotte allemande du Pacifique Sud s'est rendue. J'ai fait des choses terribles, ça n'a servi à rien. Ici, l'Allemagne a déjà perdu la guerre. Il paraît que les grosses veneurs ont disparu. Oui. Pandora s'est enfuie. Et Cain est en sécurité. C'est bien. Maintenant, il vaudrait mieux que le moine ne le trouve pas. Pourquoi? Les gens parlent plus facilement quand ils sont enfermés dans un sous-marin. Même le moine. Il m'a raconté des choses à propos de Cain, de Pandora, et de toute cette famille de milliardaires cinglés. Je t'ai fait peur, Cain? Un peu. Je ne vous avais pas entendu venir. Les Anglais vont bientôt débarquer. Nous allons être obligés de quitter l'île. Tu vas venir avec moi. Vous voulez m'utiliser comme otage, c'est ça? Pas du tout. Si je t'emmène, c'est parce que je t'aime bien. Tu comptes beaucoup pour moi, Cain. Pandora aussi, mais malheureusement, elle n'est plus ici. Pandora? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes allé la voir dans sa chambre? J'ai vu quelqu'un que je croyais ne jamais revoir. Qui? La mère de Pandora. Margaret. Tante Margaret? Oui, mon garçon. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mais enfin, qui êtes-vous? Je suis le moine, qui veux-tu que je sois? Vous avez l'air déçu, Corto. Je me suis souvent demandé qui se cachait sous le capuchon du moine. Et maintenant que je le sais, eh bien, je ne suis pas sûr que ça rende la vie plus intéressante. Il doit neiger là-haut dans mon pays, à Lübeck. Et ici, on crève de chaud. Regardez ces jeunes filles vêtues de feuilles. Ce serait dommage d'attendre l'automne pour aller leur tenir compagnie. Vous ne trouvez pas? Vous êtes sympathique comme pirate. Bon, je fais ce que je peux, monsieur Slater. Vous aussi, vous êtes sympathique, comme officier. Maintenant que vous l'avez, votre nouveau royaume, faudrait peut-être penser à remplir les caisses, non? C'est le moine. Il voulait m'emmener avec lui. Slater s'y est opposé. Le moine l'a abattu et il est parti. Je crois qu'il veut s'emparer du sous-marin. Sauver mes âmes.
faut pas que les Anglais le trouvent. Aide-moi. Essayez de vous sauver. Ça va faire un peu mal. Restez tranquille. Ou on ne vous nommera jamais dans la saga des Nibelungen. Pense-le du mieux que tu pourras. On va prendre le yacht du moine. Je vais le préparer et je reviens. Mais... Fais ce que je te dis. Je reviens vous chercher. Du chemin. Cannibale et maintenant soldat dans l'armée néo-zélandaise. J'ai jamais été cannibale, mais mon grand-père l'était. Alors ne m'obligez pas à le redevenir. Je sais, je disais ça pour rire. Vous serez sans doute heureux d'apprendre que Pandora est saine et sauve. Mais bien sûr que je suis heureux. Cain aussi est sain et sauf. Alors tu peux être heureux aussi, non? Ouais. Maintenant avancez, et sans faire d'histoire. Tu prends de ses airs. Rasputin, et qu'est-ce que tu fais avec cette belle robe? L'esprit d'Olin nous a trahis. Il a fait débarquer les Néo-Zélandais et il s'est fait reconnaître au roi. Roi d'Escondida? C'est ridicule. Avancez. Corto Maltese, né à La Valette. Vous êtes citoyen anglais? Ça m'est arrivé, oui. Comment avez-vous pu vous laisser entraîner par cette bande de pirates? Quelle bande de pirates? Pour moi, c'était des amis. Vous avez une curieuse conception de l'amitié. Peut-être, mais ça rend la vie plus intéressante. Bougez-vous un peu! Tape-tu de plomb! Tarao? Je suis content de te revoir. Est-ce que Pandora... Tout va bien. Elle est encore sur le contre-torpilleur. Elle ne devrait pas tarder à débarquer. Ah, bien. Et Corto Maltese? Nous savons que vous avez caché le commandant du sous-marin allemand. Or, pour certaines raisons, l'amirauté tient à ce que ce monsieur... Il est lieutenant. Lieutenant Sluter. À ce que monsieur Sluter soit jugé par un tribunal militaire dans les meilleurs délais. Menez-nous à lui et... Et quoi? J'ai l'autorisation de vous remettre 1000 livres sterling et un laissez-passer. On est en pleine inflation. Jadis, 30 deniers suffisaient. Emmenez-le.